Bonjour tout le monde, je vous fais vite fait une petite vidéo pour vous expliquer quelque chose en fait. Je ne sais pas si vous voyez le tram là. Donc c'est tout à l'électrique et ils sont tout bloqués. Et en fait il n'y a que les bus qui peuvent passer parce que les bus passent à l'essence quoi. Et tous les trams c'est électrique donc ça ne fonctionne pas. Donc en fait on peut comparer ça à... On va dézoomer. On peut comparer ça à si par exemple il y a une forte éruption solaire comme ce qui s'était passé aux États-Unis dans les années 80, je crois, ou 70. Ça avait tout bloqué le système électrique et ça avait fait une mini guerre civile dans les quartiers parce que pendant 3 jours il n'y avait plus d'électricité. Et je vous parle d'éruption solaire, mais si on peut aller plus loin, on peut. Parler de cyberattaques aussi, on n'entend que des cyberattaques, attention, blablabla. Est-ce que le gouvernement n'est pas en train de fomenter des coupures d'électricité, du hackage sur les réseaux bancaires et tout ça? Tout est électrique, comme je vous dis. Tous nos systèmes maintenant fonctionnent à l'électricité. Donc on est dépendant de ça, donc si... Il y a vraiment trop de révoltes s'il se passe quelque chose. Comme je vous l'ai dit, nos maîtres, ils ont plusieurs cartes hein, dans les mains, ils appuient sur le bouton et boum, c'est fini. Et après, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un terroriste, c'est une cyberattaque venue de Chine, venue d'Iran. Donc voilà, c'est pour ça que même dans les maisons, quand vous avez des maisons, essayez d'être le moins dépendant en électricité, en eau, tout ça, parce que vous êtes dépendant du gouvernement et vous êtes dépendant de toutes ces choses. Et comme on sait que ces gens-là, ils veulent nous asservir. Donc voilà, donc c'était juste pour vous montrer ça, que ça ne marche pas. Donc, et moi, je pense qu'il va y avoir des coupures d'électricité, des pénuries, plein de choses vont se passer en ce moment. Et là, je suis en train d'écouter aussi parler des tensions entre le Maroc, l'Algérie. Voilà, ça commence. Comme par hasard, il y avait eu la reconnaissance d'Israël et des États-Unis d'une partie du désert au Maroc, là. Donc là, maintenant, l'État algérien, il accuse l'État marocain pour les feux qui s'est passé en Algérie. Voilà, donc moi, je l'ai toujours dit à mes amis... Marocains, Algériens, je leur avais dit l'Algérie doit tomber, c'est prévu dans les cartes, ça fait déjà 10 ans que j'en parle. Et avant l'Iran ou après l'Iran, mais l'Algérie doit tomber. C'est les plans du nouvel ordre mondial. Ils ne vont pas laisser une puissance militaire comme ça. L'État algérien est un État très très puissant en Afrique. Je pense que c'est même le plus puissant militairement. Et il y a beaucoup de ressources dans son sol. Et l'État algérien n'est pas soumis au nouvel ordre mondial. Donc ils vont tout faire pour le faire tomber. Est-ce que ça va venir du Maroc? À voir. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Et c'était juste pour vous montrer que on peut nous couper les vivres et on peut faire ce qu'on veut avec nous parce que tout est électrique. Donc, voilà quoi. Allez les amis, je vous reviens et... Faites attention à vous, protégez-vous et faites les bons choix. Au revoir.